Bon, cette fois ça a l'air stable. Ça me pète plus à la gueule. On a l'air bon. On a les lumières, on a la sono. Allez, cette fois on y va. On se requiert comme il faut. Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 2 août, il est 21 h, pile, je suis à l'heure, incroyable. Enfin, je suis à l'heure, oui, je suis à l'heure, j'ai juste oublié de prévenir tout le monde. Salut, Matt Datek, j'espère que ça va bien. Ouais, je suis officiellement en vacances. Je sens que je vais pas me reposer une seconde, ça va être l'enfer. En même temps, il y a un gros dossier, puisqu'il y a un mariage en plein milieu, donc forcément, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, je suis en vacances. Deuxième année de suite où je prends des vacances au mois d'août, alors que d'habitude, je ne prends jamais de vacances en été. Donc, le programme de ce soir, je l'avais dit la semaine dernière, je le redis là maintenant. Et c'est dans le titre, hein, pour ceux qui veulent. On va remettre la main, les mains, dans le cambouis des outils de monitoring, parce qu'on avait vu qu'on s'était pas forcément si compliqué que ça de tester deux, trois grosses artilleries qu'on avait laissées de côté, à savoir AppClax et Argos. Bonsoir Jerfy. Donc pour montrer là pour le coup vraiment des outils qui sont quand même, je pense, plus orientés vraiment utilisation pro slash entreprise slash gros voilà gros usage comparé à ce qu'on a testé la semaine dernière et d'ailleurs, les deux, je crois, ont un point commun qu'on verra, qu'on va voir après. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Oui, alors, j'ai pas fini de faire le setup du navigateur. Hop, parce que je me suis ultra préparé, c'est faux. Qu'est-ce qu'on avait? Donc, j'avais dit oui, AppClax. Donc on va se remettre là-dessus. Hop. Le GitHub. Hop. D'ailleurs, on va passer là-dessus. Donc, AppClax, c'est un outil de monitoring de sites web. Sa particularité provient de son usage, c'est-à-dire que c'est d'abord un outil d'API, enfin un outil à base d'API, et on va modifier sa configuration avec un opérateur Kubernetes, un provider Terraform, ou carrément un outil en CLI. Je ne sais pas encore ce qu'on va tester. On va déjà s'assurer que le truc est déployé et peut se manipuler simplement. Je sais que, voilà, côté sur le serveur, on a un Docker Compose. Ça, Mathieu me l'avait redit. Où on peut utiliser, donc, ça va déployer le serveur avec un PostgreSQL et Kaburot qui est l'agent qui fait lui-même les tests, en fait, dans la pratique. C'est-à-dire qu'on est sur une architecture découplée. Pour appeler microservice, pour faire plaisir aux accros, aux buzzwords. Donc on a la partie avec le serveur, la configuration, et qui je pense aussi stocke l'historique des métriques. Et l'agent lui-même qui fait les tests. Avec dans l'idée qu'on peut déployer potentiellement plusieurs agents à différents endroits géographiques pour tester depuis différents endroits. Je pense pour confirmer tout ce qu'il y a besoin de confirmer. Du coup, j'ai rien rangé, d'accord. Je vais fermer ça.
On va faire ça. Hop. Alors non, c'était sur GitHub potentiellement, si j'ai bien rangé. J'ai pas rangé comme il faut. Alors, dans PMP, j'avais fait ça. Non plus. Alors, je sais déjà plus où j'avais. Ben, je l'avais testé pourtant le. Ok, donc non, peut-être pas là. Alors lui, je l'avais peut-être pas testé du coup. Bah c'est pas grave, de toute façon, y a pas un. Ouais, non, y a rien de rangé. Ok. C'est pas grave. Hein. Hop. On va faire ce qu'on a à faire. On va commencer par. Le clone, sans plus attendre. J'aurais pu créer un dossier AppClax parce que potentiellement on va avoir plusieurs trucs. Oula! Poussif ce soir le clone de GitHub. Très poussif. On n'est pourtant pas sur du. Bon. Pas ce qui me fait décider de bloquer à 300 kilooctets-secondes. Pourquoi pas, hein? Ok, alors. Du coup, on va déplacer. Hop. Donc, dans le dossier dev, si j'ai bonne mémoire, voilà, on a des fichiers de config de base. On va laisser ça. Oh là. On a la config de base avec la connexion à la base de données. On a éventuellement un basic auth si vraiment on a envie de se pencher sur le sujet. Mais c'est pas le sujet, c'est pas trop le sujet. Et on a. Oula, en fait, je fais ça, mais oui, d'accord, ok, j'avais oublié de. J'ai Vim qui me capture la roulette. Alors, ok, d'accord. Donc là, on a un discovery HTTP, machin. Ok, donc là, il a son point d'entrée pour aller récupérer les configurations qu'on pousserait dans le truc principal. Du coup, bah on a juste à faire. Si je fais ça comme ça, normalement. Ouais, bah si, il y avait déjà les images, du coup, donc j'avais dû le faire. Ah, j'avais peut-être supprimé le dossier comme un furieux. Parce que je suis trop con. Ou je l'ai mal rangé, je sais pas. Bon, on verra bien. Du coup, qu'est-ce qu'on dit? Non, si je fais ça, je prends un autre found. Ok, ça c'est bon. Ça c'est attendu. On va plutôt le dire comme ça. Du coup, est-ce que, juste pour la blague, on s'amuserait pas à tester ça pour voir ce qu'il retrouve? Pas de réponse. Transfert 110 octets, donc la réponse est vide. Ceci dit, on s'y attend. Puisque par défaut, il n'y a aucune configuration, ce qui est normal. Bon, le favicon, comme d'habitude, va falloir qu'il s'arrête un petit peu avec ça, c'est un peu pénible. Alors,
Si on revient vite fait sur un peu la documentation. On a la CLI, le provider, le Kubernetes opérateur. Vu que c'est pas déployé dans Kubernetes, je vais pas me faire chier avec l'opérateur. Mais bon, pour rappel, pour ceux qui... Alors, si la doc veut s'afficher, bah bien sûr que non. Ah, c'est surprenant ça. Ok, le lien est pas bon sur la page d'accueil. Mais vous pouvez créer... en fait, l'opérateur, vous créez un objet custom et l'opérateur va aller contacter l'API de votre app Clax pour configurer les sondes qui vous intéressent. On a aussi, et je pense que c'est ce qu'on va faire, parce que c'est ce qui est le plus simple, la CLI. Faudrait que je regarde sur comment on l'installe. Si on a brou, machin. Sinon, on peut utiliser. Il y a du pre-built binaries. Oh, ça me plaît, ça. Ce sera plus simple. Parce qu'il y a peu de chances qu'on ait un plugin à SDF, je pense. Alors déjà, je vais faire ça. Oui, bah oui, sans surprise. Bon, on va y aller tout simple, on va aller chercher le binaire. N'hésitez pas à demander si c'est clair ou pas ce que je fais, parce que là j'y vais un peu en diagonale, parce que j'essaye d'aller vite. Parce qu'il y a encore Argos à faire derrière, et lui il va être beaucoup plus compliqué à tester. Du coup. Release de la CLI. Linux AMD 64. Parfait. Hop, copier le lien. Hop. Est-ce qu'on le fait là? On va remonter un cran. Hop. Ça. Voilà. Hop, on a juste besoin de ça. Et il y a déjà les permissions d'exécution, donc c'est parfait. Donc si je fais ça, ça marchera pas, parce qu'il faut juste taper version, c'est ça. Il va même pas l'avoir un... D'accord, il l'a même pas implémenté de version. Ok. Ah là là. Ok, on a quoi? Complétion, L-shape, help. D'accord, donc si je fais juste ça, il me remet le même message. Ok. Ok. Du coup, on va revenir sur la doc, hein, histoire de faire ça simplement. Il nous faut quoi? Il nous faut des variables d'environnement. Username, password. Est-ce qu'on les a configurées dans... dans la conf. Non, on n'en a pas mis. Donc on n'a pas de mot de passe. Donc on est vraiment sur le cas le plus simple. Évidemment, hein, ne pas recommander ça, hein, sur un vrai déploiement. Je vais pas m'en... Du coup. Oh bah génial. Ah, si vraiment on veut faire. Hop. Ah bah il y a un slash. D'accord. Du coup, si on le teste celui-là, le slash else. Qu'est-ce que je fais? Là, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit OK, d'accord. En données brutes, ça fait quoi? C'est OK, c'est du texte. OK. Moralité, oui, c'est ça qu'on voulait faire au départ. Voilà. Et donc là, si je fais appclax, si on prend la doc, il nous fait quoi? Help, hein, machin.
Else check list, to list else check, et on a même des metrics sur le 9013, mais le 9013 c'est Kaburot du coup. Ah. Donc on passerait quand même par Kaburot pour récupérer les metrics du... Donc là, effectivement, on n'a pas de health check. On voit la description. Ok, donc si on dit qu'on fait un... donc ça va être... On va faire ça comme ça. HTTP, get-name. Hop, on va prendre le blog, hein, toujours. Hein. Target localhost, parce que ça c'est nous. -protocol-http. Ok, non, -protocol-https. Ah oui, non, target c'est moi. Donc target c'est blog.cboss66.info. On va les mettre entre guillemets pour être sûr. -protocol-https. Port 443-pass/. Alors. Oula. Oh, la sortie, elle est un petit peu... Ah non, la définition, d'accord, c'est le gros JSON à la fin. Ok. Et donc là, maintenant, si je refais la liste, il me ressort... D'accord. En fait, donc quand on crée le health check, il est bon. Il nous met le... Comment? Il nous met le truc. Et donc, si on affiche le localhost 9013/métrique, on a des métriques, d'accord. On a un histogramme. Ok, là on a quoi? Start time, seconds, donc là c'est 1, ok, d'accord. Donc là on est censé avoir du coup des métriques sur quoi? Est-ce qu'il y a déjà des... Oui, métriques blog, j'avais pas fait gaffe, else check. Ok, ok, donc on a le duration 1, d'accord. Il faudra que je... Donc ça c'est les garbage machin. Discovery. HTTP Discovery. Donc ça c'est son propre test à lui, d'accord. Et donc on a les métriques qui sont là. Alors comment je gère les alertes de ça? Ah bah j'imagine que derrière en fait il faut à partir de comment à partir de d'un Prometheus ou d'un Alert Manager, un truc dans le genre. En fait, il faudrait, on pourrait gérer soi-même ces alertes. Enfin, faudrait utiliser un autre outil pour les alertes, non? C'est ça? Non mais là on est bon. J'essaye de
comprendre un petit peu. Tac, tac, tac. Push gateway, label, machin, description, métrique description. Ok, observability section. Ouais, ok, d'accord. Bon, le problème, c'est que si on voulait aller jusqu'au bout de la démarche, il faudrait du coup s'installer en plus un Prometheus pour aller scraper ce truc-là. Que vraiment, on veut y aller là-dessus? Là, on a vraiment juste la partie logique en fait. C'est-à-dire que là, si je reprends un peu, est-ce que du coup, dans les métriques à jour, ok, donc on voit qu'on est entre 250 et 500 millisecondes de ce que j'ai compris. Alors maintenant qu'on a ce truc-là, que là j'ai défini c'était quoi? Intervalle 60 secondes, timeout 5 secondes. Ok, si je refais le coup du... Je stoppe PHP, putain faut vraiment que je mette tout ça à jour. Et j'attends 5 secondes, on va voir s'il y a quelque chose qui ressort au niveau des métriques. C'est bizarre comme... Là, on a un name HTTP discovery, et après, genre, on a fait appel à slash metrics, et du coup, il le voit là. D'accord. Surprenant, surprenant. Si on s'amuse à faire... Ou alors, est-ce que vraiment on va au bout de la démarche? Est-ce qu'on a un petit truc rapidos qui permet de dire comment on... Ok, on peut aller vraiment sur un truc très simple. Si on y va mollo. Ouais, mais ça, on s'en balèque. Ouais, donc si ça peut être très simple à faire.
On n'a pas un truc pour le faire avec... Un truc minimaliste à base de Docker, histoire de continuer de faire ça simple, entre guillemets. Doit y avoir ça si on va sur le hub Docker. D'accord, ils n'y proposent pas. Ils n'ont pas d'image officielle. Ou alors elle est pas chez. Oh, c'est surprenant. Je suis un vieux flemmard. Hein. Vraiment, j'ai pas envie de m'emmerder avec. Ouais, en vrai, c'est pas mal ça pour le coup. En mode vrai flemmard. Yep. On va se faire ça, on va le démarrer. Alors. Le Prometheus, on va faire comme ça. Le Prometheus.yaml, on va le reprendre de... Attends, il était où? Là, on va le reprendre de là, puisqu'on va faire un truc simple. Hop. External label... S'en fout ça. Oui, ça on s'en fout. Hop, on n'a pas besoin pour l'instant. Scrap config, voilà. Le job c'est app clax. Et le target c'est 9013. Cache metrics. Allez, comme ça c'est fait. Hop. Ah oui, bah parce qu'il s'attend à avoir automatiquement le... Ah putain. D'accord. Hop. Non, c'est le vidéo start. Ok. Hop, comme ça. Qu'est-ce que je branle? On a quoi? On a donc le Uptime Kuma. Ah putain, il a... D'accord, ok, il a redémarré ce con. D'accord. Ça va, quoi, les ports se marchent pas dessus. On a donc notre serveur à Clax. On a Kaburot. C'est marrant qu'on voit pas les ports, là, de... Oula. Ok, donc on a le 90-90. Hop. Alors, si on fait ça... Ouais, on a un Prometheus.
Alors, si on lui dit, on a quoi? Il nous dit no data query yet. Ouais, parce qu'il faut trouver un truc. On a quoi? TSDB status. Il a 5 séries. Ok, on a un job qui s'appelle AppClack. Il nous dit qu'il est bon. On a déjà 5 trucs parce qu'il scrape toutes les 15 secondes. Ok, donc si maintenant. Donc la configuration, il va nous remettre un peu tous les trucs là. Le job, il s'appelle là. Avec les protocoles OpenMetrix, Prometheus Text, slash Metrix, d'accord. En HTTP sur 9013. Bon, alors, du coup. Les alertes, non, il n'y en a pas, c'est normal. Alors, expression. Format expression, Metrix Explorer, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on avait vu dans les métriques? Ce qui nous intéresse, ça va être le health check duration seconds. Là, il trouve rien. Ah. Très drôle. Alors ça c'est un peu, c'est à la fois surprenant et parce que il nous dit qu'il a scrappé le truc. C'est dégueulasse. Ok. Bon, il a l'air démarré, mais il ne fait rien. Bah alors. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il arrive bien à le. Parce que ça, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un délire là-dessus, même s'il nous le dit pas. Ça va marcher, ça? Non. HBIN, CHSH, du coup, peut-être. Oui, enfin, voilà. Oh putain, d'accord. Je fais quoi? C'est quoi ça? Built-in commande. Point, deux points, machin, machin, alias, local exit. Oh oui, donc ça sent du busybox, tout ça. Alors. Peut-être pas mettre 127.0.0.1, c'est ça. Ah oh, putain, bah oui, du coup. Du coup, c'est pas 127.0.0.1, mais ça va être quoi alors? Si je veux sortir du truc. Ah oui, la conf, elle est pas bonne.
marchera jamais ça. Ah putain, si. Mais non. Ah si. Ok, donc il faut que je mette l'IP du. Il faut que je mette l'IP de la passerelle. Ok, ok. Bon à savoir. Du coup, j'ai pris quoi? J'ai dit que c'était ça. Donc. Container stop. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Qu'est-ce que je prends là? Oh, 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 oh. Hop là, ça, ça, ça. Faut hésiter à me le dire hein, quand je fais des conneries. Alors faut pas oublier que je fais un truc, je fais des trucs dégueulasses hein, aussi, donc faut pas avoir peur de. Ouais, je comprends le délire. Okay. Bon, déjà, il répond toujours. Ah voilà. Ok, là c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Par contre, alors du coup, c'est quoi? Health check, duration, bucket. Avec le name égal blog. Et du coup, si je graphe tout ça. Et là, le blog, il est censé être pété depuis un moment. Donc, je suis pas censé avoir des. Au niveau des metrics, là, je suis censé avoir des trucs qui remontent en mode. En mode CPT. Parce que là, c'est un count. Ah, failure. Ok, voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est health check total qu'il faut que je chope plutôt. Faut que je remonte health check total. Ok. Donc si je prends du coup. Si je remonte total, si je prends ça, que je fais execute. Oh là. Oh la vache. Ok. Ça va un peu dégueulasse. Ok, donc là on voit que j'ai les status failure qui sont en train de grimper. Et le total en succès qui lui ne bouge pas. Du coup, si on essaye de créer une alerte, que je ne peux pas créer là évidemment, parce qu'il faut que je passe par le fichier de configuration, si on voulait créer une alerte, il faut donc partir de la métrique. Putain, merde, t'es gentil. Pour juste dire, il faut que ce soit pour juste dire ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Pour juste dire, le site va bien, le site ne va pas bien. Il faut créer une alerte quand le failure augmente ou change. Parce qu'en fait, la façon dont il fonctionne là actuellement, c'est du cumulatif. Donc en fait, il n'y a pas de réinitialisation de quoi que ce soit. Si là, je restart du coup le truc et qu'on attend un petit peu. Donc on se souvient qu'Aburot, son intervalle, c'est 60 secondes, je crois. Donc on va falloir attendre un petit peu. Oui, non, je suis un peu con. Non, intervalle 10 secondes. Oui, non, mais ça, c'est pour HTTP Discovery. Je suis con, oui, c'est le. Non, c'est dans le. Ouais, c'est ça. Si on refait la liste, c'est intervalle 60 secondes. Voilà.
Est-ce que je peux modifier la sonde existante? Ah, et vous voyez, donc là, du coup, le site est revenu, donc c'est le succès qui, lui, pour le coup, augmente. Et on voit que lui, par contre, du coup, il a arrêté d'augmenter en conséquence, en parallèle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, comment je modifie l'intervalle d'un... Que là c'est create. Voilà. Manager command else check, delete else check, DNS else check. Get list TCP TLS, d'accord. Ah, je peux faire update. Ok. Et si je fais update. Donc, ok, tirer name, on avait mis blog. Si je change, du coup, ça va être quoi? Ça va être le -intervalle et je vais lui mettre 15 secondes aussi. Ça va marcher ça? Require flag ID target not set. Le -ID, d'accord. Ah oui, l'ID, il est là. Oh punaise. Oui, donc j'ai pas besoin en fait de mettre le tiret ID. Tiret name blog. Tiret tiret target slash. D'accord, donc il faut mettre un minimum de paramètres pour pouvoir mettre le S-check à jour. Ok. Et ben voilà. Et donc, si on retourne après derrière sur notre Prometheus et qu'on refait l'exécute. Ah, le failure finit par retomber à zéro. Enfin, là, j'ai pris un 1. Mais. Bon, on va attendre un petit peu. Il faut que j'essaye de comprendre un peu ce qui se passe. En tout cas, je comprends le. Voilà, on comprend la logique d'utilisation. Donc l'idée, c'est que du coup, on intègre ça, ça permet au final. Oh putain, mais c'est les failures. Là, il y a les failures qui tombent. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah mais il a pété parce que je me suis... Ouais putain, j'ai merdé le... Le target, c'est le nom du... peu con. C'est pas grave. Ça va se faire. Bon, en tout cas, ça permet de voir tout de suite le truc. Ouais, voilà, c'est bon. Là, on a pris le success. Par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'en modifiant le target, il a réinitialisé le compteur de failure. Intéressant. Intéressant. Ouais, c'est ça.
Là, si on rafraîchit le métrique. Ah, il n'y a plus de failure. Ok. On a un historique de failure, mais il a disparu quand j'ai redéfini le health check. Pourtant, l'ID ne change pas, donc c'est surprenant, mais il réinitialise quand même le truc. Donc là, la logique ne change pas, du coup. Hein. L'idée, c'est vraiment de se dire, quand on va créer son alerte à partir de ça, c'est qu'il faut vraiment qu'on analyse une augmentation dans le temps, donc du nombre d'échecs dans le truc. Et donc l'idée, c'est que bah, le service, lui, enregistre ces métriques-là, et derrière, vous pouvez intégrer la visualisation et l'alerte dans des outils existants de votre infrastructure. Là où Uptime Kuma, lui, il est autonome, là, l'idée, c'est de se dire, on intègre ça, et c'est fait pour vraiment être intégré. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer ça dans un Grafana Prometheus slash Grafana existant, ou tout autre outil qui va savoir manipuler les données OpenMetrics. Puisque c'est le format, en fait, au final, derrière, c'est OpenMetrics. Donc vous scrapez ce truc-là et vous récupérez les datas de vos sondes. C'est intégré en termes de configuration, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser, typiquement, vous déployez une application, si, dans un cluster Kubernetes, vous avez l'opérateur AppClax, vous pouvez créer une custom resource que vous intégrez dans votre chart Helm, par exemple, de votre application, pour dire « je déploie le site », et je veux que tu me crées une sonde dessus. Donc voilà, c'est vous intégrer ça directement dans le flux de travail dans votre flux de travail de déploiement sur Kubernetes, ça peut le faire comme ça. Ou alors pour des plateformes qui ne sont pas sur Kubernetes et qui seraient sur du cloud, par exemple, où vous déployez ça avec du code Terraform, et ben vous avez le provider pour envoyer la configuration aussi de la sonde directement via votre code Terraform, en même temps que vous déployez votre application, vos services sur une plateforme cloud. Et au pire, vous avez la clé que vous pouvez intégrer dans une CI/CD aussi. Donc voilà, vous avez vraiment des outils. C'est vraiment un outil où l'outillage autour et la manipulation de cet outil est fait pour être intégré dans d'autres outils existants dans la gestion de votre infra et de votre application, ou de vos applications, ou de vos microservices, si vous voulez surveiller des microservices, ça marche aussi. Voilà, voilà. Donc, c'est pas mal du tout, comme logique. Évidemment, clairement, je compte pas le déployer, parce que ça fait quand même déployer beaucoup de choses que j'ai pas actuellement, et que je vais pas forcément déployer de cette façon-là, voire pas déployer du tout. Mais je comprends la logique, et voilà, j'espère que ça vous... que vous l'avez aussi, et que ça peut vous intéresser éventuellement. Ça demande évidemment, pour être déployé dans un véritable environnement de production, beaucoup plus de boulot que le bricolage qu'on vient de faire là. Mais clairement, clairement, ça vaut le détour. Moralité, voilà pour AppClax. J'ai pas grand chose de plus à dire sur le sujet, hein. On vient de faire vraiment le minimum vital de ce qu'il y avait à faire pour montrer comment il fonctionne. Et là, moi, ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais éventuellement dire? Non, bah c'est bon, on va commencer par faire le ménage, alors, du coup, par contre. On va donc fermer Prometheus. Les métriques de Kaburotte, le slash else de du serveur AppClax, ça on peut fermer, ça on peut fermer, ça on peut fermer, ça je vais fermer aussi. Côté Docker, on va stopper
Prometheus qui est tout seul dans son coin. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Oui, du coup. Hop. On va supprimer les containers. Hop, voilà, Docker machin. Donc là, normalement. Hop, on va stopper Uptime Kuma aussi parce qu'on n'en a pas besoin. C'était la semaine dernière. Qu'est-ce que... Ouais, donc ça, tout ça, tout va toujours bien pour l'instant. Là aussi. Donc là, on est bon. Passons au deuxième morceau de la soirée. Argos. Hop. Alors, donc on a installation, il nous faut du Python 3.11 et du PostgreSQL 13 en production. Ouais. Bon, j'ai que du Python 3.10. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on va avoir besoin. Ok, donc un quick installation guide, on a quoi? Le TLDR face installation, on a installation de Python 3, création du VEnv, installation d'Argos Monitoring, et on peut y installer avec une SQLite. Ah, parfait, bon, bah tant mieux, ça me va. On a quand même besoin d'un Python 3.11, et après on peut faire modifier un Argos config.yaml pour ajouter des websites, et après on... lance le serveur reload config. Qui serait exposé sur le port 8000 et après derrière on aurait d'autres trucs. Alors. Et après l'installation de l'agent. Qu'est-ce que. Donc en vrai ce serait pas mal ce serait pas mal du tout qu'est-ce qu'on pourrait dans quoi on pourrait le mettre ça est-ce que est-ce que je crée une machine virtuelle rapidement? Avec une petite base genre Ubuntu 24, un truc comme ça, dans laquelle il y aurait du Python 3.11. C'est quoi ça? Machin. Installer Python. Python 3, c'est déjà du Python 3.12. Bah en vrai, hein, on va pas s'emmerder, hein, on va vraiment faire ça, on va aller récupérer un petit Ubuntu serveur minimal, un truc comme ça. Un truc comme ça.
alternate download. Network installer. Ouais, ils sont sérieux là. Ah, live server. Putain, mais les ISO 2 giga quoi, sérieux? C'est quoi ça, netboot? 80 mégas. Mais c'est pas un point ISO, c'est un point TARGZ, donc ça m'emmerde un peu. Ah, parce que netboot est là, AMD64. Ah non, mais là, on a directement le contenu du truc, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'y a pas d'ISO? Oui, bah oui, oui, toujours. Pourquoi? Oh putain, la merde. Non, bah non, la flemme. Bon, c'est pas grave, hop, on va prendre le live server, tant pis. Sauf que, bah oui, à télécharger à des vitesses pareilles. 10 minutes, bon, c'est pas grave. On va commencer. On va dire, j'ai encore VirtualBox, oui, voilà. Donc, on s'en était servi la dernière fois pour installer et pour tester l'utilisation du Stream Deck sous Linux. Du coup, on va se faire une nouvelle machine virtuelle. On va se faire un Ubuntu serveur. Linux Ubuntu 64 bits, parfait. Fichier ISO, on n'en a pas encore. C'est pas grave. Suivant. 2 gigas. Bon, on va se mettre 4 gigas par principe, on s'en fout. On est plus que large et on va se mettre 2 CPU par principe. Je vais pas mettre le FI parce que c'est la merde. 25 gigas, ça va être largement suffisant pour ce qu'on va faire. Suite, tac, 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 qu'est-ce qu'il nous dit, hardware, machin. Tac, on est vraiment sur du minimaliste, ça m'emmerde un peu ces trucs-là à chaque fois, parce qu'on a tout le réseau à refaire, et sur le réseau, on va mettre accès par pont, parce qu'on va avoir besoin d'exposer le réseau, pour pouvoir le tester depuis machin, c'est quoi ça? Hop, mode promiscuité, on va l'accepter par principe. Câble branché, ouais, bah, quelle surprise! Alors, contrôleur son, on n'en a pas besoin. Ensuite, port série, je crois qu'ils sont pas activés par défaut, non. USB, on s'en bat les couilles, on n'en a pas besoin pour cette fois. Le stockage, il va pas bouger. L'affichage, on s'en bat les couilles. Et au niveau système, on a déjà paramétré tout ce qu'il faut. Processeur, accélération, ok. Donc il n'y a plus qu'à attendre l'image ISO. Donc l'idée, ça va être, on installe Python 3 si on a vraiment besoin, parce que c'est déjà fait. On crée un dossier, on lui dit, tu prends... la base de données argos.db en SQLite, ça c'est cool, honnêtement, pour le coup ça me plaît bien, moi, cette histoire. Ensuite, on fait un migrate, histoire de dire coucou, tu initialises la base de données. Ensuite, on crée un generate token, on fait un generate token. Putain, mais en fait, la CLI, elle contient vraiment toutes les commandes d'initialisation, donc vraiment... Même ça, c'est quelque chose qui, du coup, peut être éventuellement déployé si on veut vraiment automatiser certaines actions sur le serveur. On peut tout à fait gérer le truc. Et après, si on veut vraiment gérer, on peut gérer l'unit systemd, on peut gérer la config, machin, etc. On peut mettre ça proprement
Et ensuite, on a les CleanDB si on a besoin, les Watch Agents pour vérifier la gueule des agents. Ok. Et donc ça, c'est une fois qu'on a le serveur. Et après, une fois qu'on a le serveur, on configure l'agent avec le token généré. Ok. Et après, on retourne sur le port 8000 du machin. Ok. Bon, sur ce, bah, le problème, c'est qu'on est un peu coincé par le fait qu'il nous reste 6 minutes pour récupérer. Putain, quel enfer. On n'aurait pas dû prendre OVH, hein. Ça se trouve, il y a des miroirs qui étaient plus rapides. C'est quoi ça en attendant? Ah oui, non, ça c'est. Oui, ça c'est. Bon, je discuterai peut-être à la fin. Comment remplacer Blockada sur Android? Commence à me casser les roustons. Hop. À pas être mis à jour. Alors. Oui, bah parce que j'étais en mode verbeux. Ok. Bon, ça, je vais rester connecté parce qu'on va refaire le coup du coucou, je te pète la gueule. Et en parlant de ça, j'ai où mon téléphone? Hop, seconde! Avec un peu de chance. Oui, plus tard, je sais, j'ai une mise à jour à faire sur le téléphone. Ah oui, bah bon, bah il m'a quand même. D'accord, ok. Donc, pour ceux qui se souviennent, la semaine dernière, je disais que j'avais des petits soucis avec LibreNMS parce qu'il me gueulait pas dessus. Et en fait, il a gueulé. Hein. Il a bien gueulé comme il faut. Alors, non, ça, c'est chez moi. Mais le Alert History, on voit que on a le service updown là qui est tombé tout à l'heure avec le 21h25, compte GPT, voilà, blog. Et bon, la particularité, c'est que les notifications sur Telegram, elles sont vraiment, mais alors vraiment pas. Comment dire? Elles sont pas parlantes. Elles sont vraiment pas parlantes. Du coup. Là, je peux fermer. Allez, bouge-toi le fion. Et donc là, donc on est aussi sur un système où on a d'un côté le serveur et de l'autre côté l'agent. Par contre, là, Argos, lui, il est conçu pour afficher son interface web. Il a une interface web et il est là pour afficher l'interface web. Qu'est-ce que... Oui, ça je peux le fermer du coup. Et donc après, est-ce que... Tac, 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 HTTP API, non, on n'a pas... Ce qui me semblait qu'il y avait une interface web hein, qui était. Voilà, en fait, normalement, le dashboard il apparaît comme ça. Donc, on va voir un peu. Effectivement, là, par défaut, on est sur de la documentation un peu poussé, ensuite on choisit machin, le token, etc. Ouais, developing testing, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on veut faire. Ensuite. Ouais, vraiment après démarrer les workers, etc. Donc là, on est vraiment sur de la production. Et après, on a le Argos agent. Alors, par contre, il nous donne la commande comme ça, mais on en dehors du hot token, on n'a pas plus d'infos que ça. Non. D'accord. À part peut-être on a un truc command line interface, donc là
On a toute la doc de la ligne de commande. Putain, c'est quand même assez énervé. Déploiement avec système D, du coup on a quoi? ETC. Ah, pour l'agent. Ok, donc on a les infos pour l'exécution de l'agent si on veut le. Ok, d'accord. Et pour le serveur, c'est plus ou moins la même chose avec derrière. Ok. Ah, et dans l'exec start prêt, d'accord, il fait le serveur migrate. Ah ouais, donc c'est cool. En fait, si vous... voyez, ça, c'est l'intérêt de ce genre de truc. Quand on est en production, quand on veut faire la mise à jour, il force, en fait, le... au niveau du start... Donc si vous faites une mise à jour et que la mise à jour implique une modification dans la base de données, bon bah vous faites pas un reload, hein, parce que le reload il va faire vraiment que le reload de la config. Par contre, vous faites un stop start, et je crois que le restart dans la pratique il fait stop start en arrière-plan, hein, sur systemd. Il va exécuter les migrations en base de données, donc il va faire les mises à jour de schéma s'il y a besoin. Ensuite, il fait un reload config manuellement, ce qui veut dire que du coup, de fait, ça va valider le fichier de configuration. Si vous avez fait de la merde dans le fichier, ça va péter à ce niveau-là, et donc il démarrera pas. Et après, il démarre. Voilà. Et donc vraiment, moi, rien que pour ce genre de format de fichier, je suis content de systemd, parce que les anciens scripts init où il faut créer des fonctions stop, start, machin, etc., en mode script bash, à la papa, j'ai donné, et quand même, à un moment donné, on est quand même mieux avec quelques lignes comme ça. Je trouve ça clair, en tout cas. Bon, putain, on y arrive. Alors, il a fini l'ISO. Alors, configuration, parce que du coup, il faut remettre l'ISO. Stockage, contrôleur vide. Non, c'est hop. Disk pile. Live server, c'est un live CD. Ok. Démarrer. Y arriver, hein. Alors, par contre, je ne peux pas zoomer la machine virtuelle. Donc, je suis désolé, il va falloir regarder les trucs, des petits trucs, tant que j'ai pas le... Tant qu'on peut pas se connecter en SSH sur le serveur, parce que c'est ce qu'on va faire après, hein, histoire de pouvoir zoomer comme on veut. Alors, on est sur du français. Legacy. Oui. Vas-y, applique. Non, on s'en fout pour les drivers. On termine. Le DHCPV4, c'est parfait. Il n'y a pas de proxy. On le laisse chercher. Les miroirs, parfait, il a tout trouvé, donc il va pouvoir installer. Hop. Terminé, utiliser le disque entier, utiliser un LVM, pas de chiffrement. Parfait, on termine. Il va nous faire un PV avec tout. Ok, et il va prendre 11 gigas pour le LV. D'accord, parfait, ça me va. Il va créer 2 gigas pour le slash boot, parfait. Impeccable. Continuer. Votre nom. Hop. Le server name. Test Argos. Nom d'utilisateur. Bah, voilà. Mot de passe. Il va accepter.
Non, Ubuntu Pro, faut arrêter les conneries. Serveur SSH, ça me plaît bien. Un port SSH key? Non, parce que c'est la merde. Je vais pas mettre de SSH key. Puisqu'il faut aller l'installer et je ne. Alors, du coup, autoriser mot de passe, c'est fait. Ensuite, il me propose quoi? Micro K8S, Nextcloud, Docker. Non, mais on s'en fout de ça en fait. Ouais, Balek. Voilà. Et il est en train de tourner déjà. Ok, il faisait les trucs en arrière-plan. D'accord, parfait. Impeccable. Moi, ça me va. Oh, il est relativement sympathique, cet installateur. Il a l'air d'aller vite, en tout cas. Ah! J'ai du bien. Je suis quand même très surpris de cette petite gourde, hein, franchement, pour ceux qui en aurait. Alors techniquement, hein, c'est pas, elle a rien de très très particulier. C'est des trucs en marque blanche qui sont fabriqués à millions d'exemplaires en Chine. Mais c'est quand c'est hier ou avant-hier, je l'ai rempli, mais genre une demi-heure avant d'aller me coucher avec de l'eau qui sortait du frigo. Et elle est restée sur le bureau. Je me suis réveillé le matin, il faisait 27 dans la chambre. Il faisait plus chaud que le soir. Je n'ai pas compris pourquoi. Et l'eau. Dans la petite gourde, là, elle était toujours ultra fraîche. Il m'a fait plaisir, du coup, dès le matin. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Là, il est parti dans les mises à jour de sécurité. Ok. Il a installé OpenSSH Server. Il y a du Cloudinit aussi. Bon, on va pas s'en préoccuper là pour ce soir. Là, il y a du Late Run. Oh, il a fini? Il a fini. Ok. T'as redémarré. Hein. Est-ce que du coup, il va éjecter automatiquement? Ah! Ok. Alors, ok, la souris. Qu'est-ce qu'il nous dit? Éjecter le disque du lecteur virtuel. Hop, voilà, et on redémarre. Si c'est le premier démarrage, c'est lourd. Alors, nous avons l'IP.1.30. Ok. Du coup, on va s'ouvrir un troisième truc. SSH. Voilà, comme ça, c'est fait. On est en SSH, ce sera plus simple. Du coup, je fais ça. Parfait. Bon, il était censé avoir fait la mise à jour avant de. Il a retrouvé une mise à jour. Et on a une mise à jour de systemd, donc je pense qu'on va redémarrer, histoire d'être peinard. Pas avoir trop de problèmes. Si on revient. Alors du coup, ce qui m'intéressait, c'était le quick guide, parce que vraiment, ça va être ça. Ensuite. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, reboot-moi ça. On va pouvoir voir ce qui se passe.
Est-ce que le deuxième reboot est plus rapide que le premier, du coup? Parce que le premier boot, bon, on peut comprendre qu'il soit lent, mais le deuxième... Ah, c'est chaud quand même, hein. Oh, c'est plus rapide. C'est plus rapide, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Ok. Alors, normalement... Ok, donc on a Python 3 d'installer. Alors, sauf que... Potentiellement, il va nous manquer quoi? On a Python 3 dose minimale. Mais vous voyez, on n'a pas Python, Python V1, on n'a pas. Donc, il va falloir l'installer. On a quand même Jinja 2 qui est installé, hein, c'est surprenant. Mais il va nous falloir le V11. Du coup, sudo apt install Python 3-V11. Hop, donc là, il m'installe ces trucs-là. Voilà, du coup, on a ça. Du coup, on a ça. Alors, si on se... Hop, on va se mettre en moite-moite. Est-ce que je prends du bon côté? Pas nécessairement. Je vais peut-être inverser. Voilà, je vais faire ça comme ça. Plus intéressant peut-être pour vous visuellement, je regarde un peu, hein. Ouais, on va le faire comme ça. Alors, donc on a ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que je lis? Ça va être ça, non? Ok, donc a priori, on n'a rien en termes de... Ah oh, putain, non, c'est... D'accord, non, il n'y a pas de firewall. Ok, je m'attendais à ce qu'il y aurait quelque chose, à ce qu'il y ait quelque chose installé par défaut, mais tant mieux, hein. On va pas se mentir. Alors, vu qu'on peut le faire en tant qu'utilisateur, on va le faire en tant qu'utilisateur, on va pas s'emmerder. Hop. Alors, Python 3-M V11 et V11. On va le faire comme ça. Source V11 bin activate et install-u. On va commencer par ça. Ok. Alors, du coup, ensuite, type install Argos Monitoring. On y est. Ensuite. Alors, Argos Generate. Argos. Version. Il n'y a pas d'option tiret tiret version, donc si on fait un tiret help, d'accord, c'est juste Argos version. Décidément, ces trucs-là. Alors, et on est sur la version 0.2.2. Ok, alors, Argos serveur generate config pipe sed-e s at production at dev. Tiret E S at URL 2.postgresql point étoile at URL 2.espace anti slash sqlite 2. Attention, j'ai mis un point virgule. Slash home slash cbot icc slash argos slash argos.db. Anti slash guillemets arrobas clac.
D'ailleurs, est-ce que j'ai pas oublié le... Si, j'ai oublié le arrobas à la fin du dev. Pas bien. Supérieur à Argos. Tiret config. Point YAML. Oh putain. Ah oui, du coup, il n'y a rien. Donc on va faire quoi? On va faire quoi? Blaze Vim. Bon, puis on va déjà prendre ça. Hein. Enfin, pas mal. Voilà, c'est bon, ça me va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Oui, il faut que je fasse un Argos. Argos Server Migrate. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Error service secret is list type. Alors. Donc, le SQLite, il est là. Pas mal. Ensuite, il nous dit quoi? Frequency. Ah, intéressant. Donc en fait, il gueule. Il gueule là-dessus parce qu'il n'y a pas la liste. Donc en fait, je passe ça. Je crois que c'est comme ça, hein. Non. Alors c'est comme ça, je me souviens plus. Voilà. Donc là, bon, il gueule qu'on doit changer le cookie secret. Ok. Donc il y a un petit glitchouille hein, dans le TLDR, dans la doc TLDR. On voit que en fait, il refuse. Comme le dans la doc, là, on n'a pas encore créé le secret. En fait, il gueule. Il gueule sur le truc. Alors maintenant, si je fais Argos. Token égale dollar de Argos serveur generate token. En fait, idéalement, il faudrait s'occuper de ça avant de faire le migrate, en fait. Echo dollar de Argos token. Ok, donc là, on a un UID, parfait. Alors, sed-es arrobas dièse Ah, intéressant. Mon sed. J'ai mis un espace en trop. Tiens, je suis un connard. Ok, d'accord. Du coup, là, il a bien fait l'entrée. Parfait. Donc le Argos token on l'a. Ensuite il nous dit modifier le Argos config pour avoir quelques checks. Alors donc effectivement on a un truc mypaths.example.org donc on s'en bat les couilles. Du coup on va mettre directement le log point comme d'hab. Hein, le blog, le chemin, c'est juste slash, le statut, le body contains, est-ce qu'on est obligé de le mettre? Bon, je crois pas. Hein.
Donc on va tenter de le virer, parce que la preuve, on n'en a pas besoin là. Et on nous dit SSL check expiration. Parfait, ça me va. Le WP. Le WP admin. Je sais pas comment il remonte, tiens, le. Je crois pas que le. Non, on se prend un 200, hein, on se prend pas une 401. Donc on s'en bat les couilles en fait. Mais donc on voit qu'on peut configurer plusieurs chemins sur un même domaine. Déjà dans le. Dans l'esprit. Je vais virer. Hop. Et ensuite, en fait, on va virer ça. J'en ai pas besoin d'autres. Ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est vraiment juste ça. On peut éventuellement. On peut éventuellement splitter les configs si vraiment on veut gérer ça de manière, on va dire, distribuée. On va appeler ça comme ça. Comment? Donc en fait, on split les fichiers de conf, parce qu'effectivement, en fait, là... Bon, là, il fait 76 lignes, le fichier de conf, mais ça pourrait être, si vous commencez à modifier pas mal de choses, ou en fait, vous voudriez peut-être juste avoir différents éléments. Donc là, on peut configurer des alertes. Alors, on a quoi comme mode d'alerte possible? On a mail, Gotify. Et donc, on peut générer le serveur Gotify derrière. Ok. Ok, je note. Je note. Et donc, on a effectivement le cookie secret. Hein. On s'en fout. Le default delay for check, donc on avait dit 1M. Si c'est ça, on peut faire 15S. Normalement, ça marche. On verra bien. Hop. Du coup, on a ça. Une fois qu'on a ça, on peut faire un Argos server. Reload-config. Ah. La frequency, ça lui plaît pas. Pourquoi? Can be superseded in. D'accord. Donc on ne peut pas mettre. Alors, voyons voir. Est-ce que la doc nous dit des choses là-dessus? Dans la configuration. Ouais, d'accord, mais on peut pas descendre en dessous de la minute ou c'est quoi le. Non mais oh. Alors, vu qu'on peut extraire les checks, est-ce qu'on peut... Non, mais... Alors du coup, je comprends pas trop. Implementing a new check, c'est quoi le délire? Ça, c'est vraiment pour la partie dev. Technical overview, notification way, data model. Data model, non, je sais pas. URL, task, frequency. Après, on a le result. D'accord, jusque-là, ça me va. On est sur un ORM. Frequency mapped INT. INT, sauf qu'on a mis, on a du 1M par défaut, donc je comprends pas le délire.
frequency mapped int. C'est-à-dire que dans la lecture de la conf, alors là, pour le coup, j'avoue que, dis donc, il pourrait être plus... ça m'emmerde cette histoire. Est-ce que... Ou alors attends, avec la CLI, est-ce que Command Line Interface, Argos CLI, Argos Command, Server Command. Bon, on va... J'avoue qu'il m'emmerde un petit peu ce... Bon, on va le remettre à une minute si vraiment ça lance. Donc là, il nous dit qu'il a trouvé deux tâches, d'accord. Si on revient sur du coup... Et on doit faire un start comme ça. Donc là, il nous dit application startup complete. Alors là, si je retourne sur donc ici, on va faire un 192.168.1.30 sur le port 8000. Ok, on est sur le... Alors, j'ai pas regardé les utilisateurs, comment on fait Bon, déjà, il a démarré. Ce qui est une... pas la magie noire, mais... ça va être quoi? Ça va être admin password, un truc comme ça? Alors, non. Admin admin. Non plus. Puisqu'on n'a pas créé d'utilisateur, donc comment on fait, alors? C'est quoi le... C'est quoi la... Oui, on est sur du non transactionnel, tout à fait. Oui, ce qui nous fait un add user table, donc je pars du principe que... Bon, CTRL-C, hop. À moins que dans la documentation... Là, on est d'accord que dans la conf, on n'a pas d'utilisateur. URL SQLite. Environnement dev, ouais. Ou alors, en fait, il faut que je crée un utilisateur directement à la main avec le... Non, c'est quoi? C'est Command Line Interface. Bon, la doc mériterait quand même... ouais, User Management, bah alors. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, parce que c'est Argos, Server, User... User Management. Add... Non, show. Ça va, leader show. Ok, il n'y a pas d'utilisateur dans la base. Bah, comme ça, c'est fait, hein. Hop,
Ensuite, on fait quoi? Tirer name. Ok. Password, de toute façon, c'est fait pour être de la merde. Ok, donc il est enabled et il n'y a pas de login, c'est parfait. Ça veut dire que là maintenant, on peut. Oh! Oui, bah oui, je suis con. Gros malin. Ouais, ouais, voilà. Alors, il nous dit quoi? On a 0 agent. Ok, si on clique sur les domaines, on voit qu'on en a un. Donc, on a deux checks. On a le fait qu'il soit en statut 200 et l'autre qui dit en STL machin. Alors, par contre, ouais, comme on est sur du ligne de commande, il faut que je lance. Alors, raté. En fait, je voudrais fractionner, mais à l'horizontale. Du coup, je fais comment? Là, si je fais ça. Ouais, ça ne marchera pas. C'est quoi le raccourci? Alors, désolé, hop, je retourne vite fait dans les actions. Fractionner. What? Ok. Pourquoi pas, hein? Ok, donc là il m'a fractionné. Alors. Ok. Hop. Du coup. Faut que je refasse ça. Donc, Argos token égale. Machin. Et donc cette fois, il va me falloir. Donc c'est Argos agent. Ah bien, déjà, il faut que je refasse source Veon bin activate, sinon ça ne marchera pas. Et donc il faut que je refasse Argos agent. HTTP. Hop. 127.0.0.1. 2.8000 dollars. Argos token. Et donc là, normalement, il dit qu'il a trouvé deux tâches du serveur. Il dit qu'il renvoie les. Et du coup, lui, c'est il refait toutes les 10 secondes. D'accord. Alors. Et donc là, on a les currents de statut succès. Ok. Donc là, si je reviens là-dessus, il nous dit que les succès, c'est 2. Si je clique sur les domaines, on est bon. Si je fais les view all, on a les différents tests. Alors par contre, là, on n'a pas de... Il n'y a pas de graphe. On est vraiment sur de la visualisation pure et simple de ça marche, ça marche pas. Et on voit qu'on a un agent qui s'appelle TestArgos, parce qu'on ne l'a pas renommé, j'ai l'impression. Alors là, forcément... Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est il contacte. L'agent contacte toutes les 10 secondes. Sauf que comme on a dit que le refresh c'était toutes les minutes, il va réessayer que dans... Voilà, on voit qu'il a récupéré les tâches. Ouais, par contre, afficher erreur pour dire qu'il n'y a pas de tâches. Bon. Ouais. Ça va pas faciliter la vie de la gestion des logs, ça. Mais bon. Pourquoi pas. En tout cas, en même temps, ce qui nous intéresse quand on fait les tests sur les domaines, voilà, nous on a configuré pour dire on veut le code de retour et éventuellement tester un truc de contenu. Donc en fait, un graphe n'a pas grand intérêt puisque ce qui nous intéresse, c'est de dire coucou, ça marche, coucou, ça marche plus. Là, ce qui va être intéressant maintenant, c'est que du coup, vu que ça fonctionne,
Je restop. Je restop. Et donc là maintenant, dans le prochain test, il devrait gueuler. Et donc cette fois, il a renvoyé les résultats. Donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et donc là, si je reviens là-dessus, paf, on voit que donc il y en a un qui est en erreur et l'autre qui est bon. Normal, puisque je n'ai coupé que le PHP. Donc, si je regarde, la partie SSL, elle est toujours bonne. Par contre, on a effectivement le failure qui nous dit on a récupéré une 502. Et donc à partir de là, on peut avoir. On peut avoir des. Donc là, ok, donc là on a les logs qui viennent de mon poste. Et là on voit que dans les erreurs, on a un status succès. D'accord, donc en fait, même dans les logs, il met erreur pour dire status failure. Oh la vache. Ok, ok. Bon. Ouais. Non mais les gars, même ça, c'est des. Bon, ça, oui, encore à la limite. Mais bon, sachant que. Oh, c'est un peu énervé quand même. On va pas se mentir. Enfin bon, en tout cas, voilà. Donc effectivement, ce truc-là est sympa aussi. Plus rugueux à déployer, on va pas se mentir. On a vu qu'a priori, c'est un peu compliqué d'avoir... Si je voulais avoir un check vraiment très fin, à la limite de la seconde, ou tous les 10 secondes, par exemple, ce serait un peu plus compliqué. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de descendre aux 10 secondes? On va pas se mentir. Déjà, si je peux descendre en dessous des 5 minutes de LibreNMS que je n'arrive pas à modifier, ça, par contre, oui. Ça, c'est quelque chose qui me bouge beaucoup, enfin, qui m'intéresse beaucoup. Et donc là, on va voir. Donc, normalement, il ne devrait pas tarder... Et si le refresh ici fonctionne, on devrait retourner à 2 dans pas longtemps. Parce que là, on a eu les statuts success. Bon, en fait, il fallait que je clique sur envoyer pour qu'il récupère le truc. Et donc là, on a bien les. On a bien le check qui est revenu à bien. Donc on n'est pas trop mal. Et le fait est qu'on a une alerte là pour dire failure. Ah oui, non, là on a eu les alertes pour dire success au début quand il les a rentrées la première fois. Ok, et donc du coup après quand on regarde les domaines, si on fait ça, on nous dit le last check, c'est 2000 machin, donc tout va bien. Il dit bien qu'il y a un agent qui est bien affiché dans le truc. Donc ça c'est parfait. D'accord, ok, ok. Et donc après, donc ouais, si on va dans le dashboard là, on a ça, le domaine on a ça, les agents on a ça, on peut reforcer les tâches schedule. D'accord. Ok, ok. Eh ben, ma foi, c'est pas trop mal. Donc là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus rudimentaire. Ce serait rigolo d'essayer d'en faire quelque chose déployé dans du Docker, enfin dans du conteneur, Docker ou Kubernetes. En partant de la doc actuelle, je le ferai pas ce soir, c'est mort. Mais... Mais voilà, on a l'idée. Donc là, j'arrête le truc. Donc normalement, il devrait arrêter. Hein. Peut-être que dans le domaine. Parce que je sais pas si du coup. Est-ce qu'il va mettre un peu de temps pour dire tiens, j'ai plus l'agent, donc. Ah si, d'accord, ok. On peut voir que. D'accord. Alors je ne sais pas si ça va, si on prévoit une alerte, c'est peut-être dans le fichier de conf ça, est-ce que dans le fichier de conf on prévoit
potentiellement une alerte. Donc ça, c'est les locales, on est d'accord. Et après, on a directement les websites. D'accord. Donc non, c'est pas prévu. Alors, typiquement, si on perd une... Comment? Si on perd la connexion avec un agent et qu'il est prévu que cette connexion soit perdue, comment est-ce qu'on peut être notifié de ça? Eh ben, j'ai pas la réponse. Youpi. Ah, on a eu les posts refresh si aux heures, d'accord. Mais on voyait là pour l'instant, voilà, il garde quand même l'agent. Il garde quand même l'agent enregistré. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais faire un truc pour la blague. Je vais. Je vais lancer un agent en local. Il y a quand même un petit paquet de dépendances, mais ça va, honnêtement, c'est encore. C'est pas le pire que j'ai pu voir hein, en termes de package. Et du coup. Voilà, on va reprendre ça. Je vais faire Argos Agent. Et du coup, je vais en. Lancer un autre en local là. Alors, c'est pas 127.0.0.1, du coup, ça va être 192.168.1.30. Et donc là. Me dis pas qu'il affiche le même nom parce que c'est le même token ou... C'est quoi le bail Non, d'accord, l'agent ID, il est là. Ah oui, ok. Ok. En fait, c'est le nom du host qui apparaît. Mais du coup, pourquoi il me l'affiche pas? Alors ça, c'est surprenant. Faut que je fasse un... Alors celle-là, elle est intéressante. Je vais l'arrêter, celui-là. Je vais essayer de faire en sorte, parce qu'on voit qu'il essaye bien de se connecter. Et en plus même, il lui renvoie un 200, donc en fait, il lui renvoie bien la liste des tâches. Et là, il voit les deux agents. Ah putain, mais en fait, tant qu'il a pas testé un truc, il le fait pas. Mais alors, c'est quoi l'intérêt derrière? Je comprends pas. On peut forcer.
des tâches à s'exécuter sur certains agents? Est-ce que dans la doc, ça dit quelque chose, ça, sur les agents? Alors, Argos serveur, serveur commande, agent commande. On a le max time, le wait, on a le log level, d'accord. On a le help. Ouais, d'accord. Donc en fait, si au niveau de l'agent, on lui dit tu peux faire qu'une seule tâche à la fois. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est surtout de la distribution. C'est pas de la distribution géographique, c'est de la distribution sur la quantité de tâches qu'il fait. C'est-à-dire que si un agent a des ressources limitées, par exemple, on peut lui dire tu ne fais que tant de tâches. Et il va dispatcher après, derrière, potentiellement, sur l'autre, sur les autres. En gros, tant qu'il y a des tâches dans la file, les différents agents qui vont contacter le serveur vont voir s'il y a des choses à faire ou pas en fonction du nombre de tâches qu'ils vont pouvoir faire. Ouais, ça aurait pu être intéressant de le faire de manière un petit peu plus énervée, du style par exemple, forcer, enfin. Dire que les sites web, par exemple, ne peuvent s'exécuter que sur tel type d'agent. Par exemple. Alors, dans un contexte de production, les secret tokens, on en aurait un par agent aussi. Bon, je vous le laisse comme ça, mais. Le body contains est intéressant, mais après dans les requirements, c'est quoi? GNU sed? Oui, ça s'en fout. Ouais. Alors après, peut-être que sur Framagit, est-ce qu'il est sur Framagit, hein? Est-ce que on a. Alors, on a le dépôt là. On a requête de fusion, mais est-ce qu'on a le dépôt, branche, validation? Putain. Et la traduction en français, je la connais pas, c'est ouf. On a quoi? Rename Argos, folder to Argos Monitoring. Ouais, bon, pourquoi pas. Close menu after rescheduling, d'accord. Headers are check. Ah, intéressant. Ah, pour checker des headers sur un serveur. Ouais. Pourquoi pas. On a. Éventuellement apprise pour dire faire du matrix ou du slack. Ouais, bon, ça c'est plutôt. Oui, évidemment. Ok. Discussion. D'accord. Ok. Ensuite, on a quoi? Close menu. D'accord. Ah, il n'y a pas beaucoup de JSON check. Alors, c'est quoi ça? JSON is exactly. Oh! D'accord. Pour tester une API avec un retour. Ah, je sais pas. Ok. On a quoi? On a les proxy hello from. On a un generate config error. C'est quoi ça? Ouais, donc ça c'est plutôt un bug ok, lié à la version de Python. D'accord, ok. En tout cas, ça a l'air relativement. Bon, déjà, c'est relativement jeune, on va pas se mentir, comme outil. Mais j'avoue, c'est pas mal. Mais vous voyez, c'est autonome. C'est autonome.
Pour l'instant, étant donné la jeunesse, on est vraiment sur quelque chose de relativement simple. Et surtout, autonome, c'est-à-dire que c'est pas intégré dans un flux ou dans un outillage existant. Vous voyez, on a vraiment deux philosophies différentes entre les deux outils. La première raison d'être au départ de comment? D'Argos, c'est que en fait une solution, on va dire un peu plus classique comme Uptime Kuma pouvait poser des problèmes avec énormément de sites web dedans en termes de performance parce que ça va gérer les graphiques, ça va gérer l'historisation des statuts, etc. Et donc là, celui-là, il se concentre vraiment sur une bonne partie enfin sur une bonne, comment dire. Vous voyez, si on regarde le domaine, on n'a que le last check qui est présent et c'est tout. Bon, il y a quand même une historisation, mais du coup, c'est très limité, donc bon. Ça peut être sympa. Et en plus, bon, là, je fais un check vraiment basique. Ce qui est intéressant avec ça, c'est la simplicité. Après, il y a des notifications via Gotify. Ça pourrait me plaire un petit peu plus. Ah, n'oubliez pas, mais il y a une notification, une petite mise à jour d'Oliama, donc on va pas se priver. Donc, dans un cadre un peu, on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas déjà un flux de moni un workflow de monitoring ultra poussé, ultra intégré, ou alors avec des besoins ultra variés. Rajouter ce truc-là dans votre panoplie est relativement simple. Faut en comprendre les limitations, faut en comprendre le mode de fonctionnement qui est encore pour l'instant très orienté à installation serveur. Et serveur récent, en plus, il vous faut vraiment. A priori, un Debian 12, moi j'ai pris Ubuntu, c'est vrai que j'aurais pu prendre beaucoup plus léger, je suis con. C'est vrai qu'il y a Debian 12, je crois que c'est du. C'est du Python 3.11 aussi dedans. Donc il vous faut Debian 12, Ubuntu 22, ça va marcher. Si vous êtes capable d'installer un Python récent sur un Rocky Linux ou dérivé de Red Hat à peu près de la même époque, donc potentiellement plus le 9 que le 8, histoire d'être peinard. Ça devrait pouvoir fonctionner aussi. Moi je suis quoi? Je suis sur du Rocky Linux 8 hein, ici. Hein. Même pas. Ah putain, je suis quand même que sur du Python 3.9 sur Rocky Linux 9. Ok. D'accord. Ma foi. Ok, et donc de l'autre côté, on avait Argos qui lui. Enfin, Argos, AppClax qui lui est vraiment prévu pour être intégré dans un flux et un outillage existant. Parce que ça peut être intégré à un système d'alerting d'un système de monitoring existant, type Prometheus, et donc un Alert Manager ou un dérivé. Ces configurations peuvent se faire soit avec une clé dédiée qui peut être exécuté dans un pipeline ou à la main, hein, de toute façon pareil, la preuve on l'a fait à la main là. Avec un opérateur Kubernetes, si vous déployez dans Kubernetes, comme ça vous intégrez la configuration du check dans votre flux de déploiement de l'application. Ou vous déployez du service cloud, votre application sur du service cloud, vous pouvez le faire via Terraform. Je viens de taper dans le micro, je suis désolé. Et ça va fonctionner aussi. Voilà. On ne les a pas testés parce qu'on n'avait pas trop d'intérêt et que la ligne de commande suffisait. Mais pour le coup, voilà, c'est vraiment prévu pour être intégré dans d'autres outillages. Donc l'idée est intéressante. Et aussi bien, par contre, aussi bien AppClax que Argos sépare la sonde
je vais les appeler la sonde. Hein. L'agent, c'est une sonde. Kaburod, c'est une sonde. Donc ça sépare la sonde du serveur qui va vous récupérer les données, éventuellement gérer l'alerting derrière, dans le cas d'Argos notamment. Voilà. C'est... Donc on est sur un deux fonctionnements un peu voisins. Les deux outils aussi, bon là on a testé avec SQLite pour Argos, parce que c'était plus rapide, surtout quand on le fait à la main sur un serveur. Mais en production, on a vu dans la documentation, PostgreSQL, comme AppClax. Donc, c'est intéressant de voir que ça utilise le même service de base de données, et PostgreSQL est très utilisé en entreprise. C'est aussi, la semaine dernière, on avait Mucral qui nous avait partagé un module pour Zabbix. Zabbix utilise aussi du Postgre, à la base. Donc c'est très intéressant de voir ces outils-là, de voir que ça utilise les performances qu'on peut obtenir d'un serveur comme Postgre. Et... voilà, j'ai rien de plus à dire. Honnêtement, hein, pour le coup, pour mes besoins à moi, je pense que je vais rester sur Uptime Kuma. Je vais regarder comment le déployer. J'arrive pas encore à me décider, savoir si je le fous en Allemagne, si je le fous en France. Ça va être d'abord pour tester les trucs qui sont chez moi et qui sont déjà en Allemagne. Donc je vais potentiellement essayer de l'installer sur le VPS. Le problème, c'est que le VPS, il est vraiment serré du slip. On est sur un CPU 2 Go de RAM et j'en bouffe déjà la moitié. Donc, c'est pas la folie. Je sais pas comment essayer de me faciliter la vie. Ou de trouver un moyen de réduire un petit peu la consommation là-dedans. Alors après, c'est vrai que j'ai aussi un influx DB là-dessus. J'ai à la fois un influx DB Grafana et LibreNMS, donc forcément, je bouffe déjà un peu. Un autre outillage de monitoring sur lequel on n'a pas trop... J'ai pas abordé grand chose. Tant pis. Je pense que j'ai rien de plus à dire. On va arrêter là pour ce soir. Un petit peu plus court, on n'est pas reparti. Qu'est-ce que je voulais faire, ce bouton-là. Sur ce, je vais faire tout mon possible pour publier vraiment demain. Ceci dit, si ça se passe comme la semaine dernière, pour le coup, j'ai eu la surprise qu'il me balance la vidéo. Quoique je l'ai fait le dimanche, je sais plus. Mais en gros, il m'a bourré, j'ai bourré le truc, il a uploadé ça à 200 mégabits seconde, ça a pris 5 minutes. Il m'a fait l'encodage derrière en moins de 2 heures. J'ai été complètement bluffé, parce que d'habitude, il met beaucoup plus de temps que ça. Donc, le replay, donc, demain, parce que pour le coup, ça, j'ai que ça à faire, entre guillemets, sur YouTube. Et après, eh ben, comme je disais, je suis en vacances, et au départ, je pars plus tard je pars plus tôt que ce que je pensais, parce que je fais un détour dans mon routage. Et donc, donc pas vendredi prochain, pas le vendredi d'après, donc on se revoit au final dans 3 semaines. Hein. On se revoit dans 3 semaines encore, après avoir fait une coupure d'un mois. Bon, la coupure d'un mois, je m'en serais passé, c'était censé être plus léger, mais comme j'ai enchaîné les galères de santé, ça a été compliqué. Et dans 3 semaines...
Je pense que ça va être trop tôt pour donner le sujet là dans la vidéo tout de suite pendant le live. Donc faudra surveiller Twitter, parce que c'est pour l'instant je fais vraiment que Twitter comme communication. Mais j'ai eu une discussion cette semaine avec un collègue et je serais curieux de tenter un bricolage. Donc je vais probablement me le mettre dans le Joplin, tiens, pour histoire de. Putain, je traite un sujet, j'en bouffe deux, j'en rajoute quatre, ça me. À force, ça commence à être compliqué. En fait, c'était par rapport à Nmap. Donc quand vous exécutez Nmap, donc Nmap c'est à la base un port scanner, mais qui peut faire un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il peut vous détecter le type de service, le système d'exploitation sur lequel vous êtes, d'éventuelles failles de sécurité qu'il pourrait déjà trouver, en fonction des versions qu'il arriverait à identifier. Donc il a une liste de filtres longue comme le bras pour essayer d'arriver à conclure quelque chose là-dessus. Et en fait, eh ben, en rediscutant sur des erreurs qu'on avait sur des pages par défaut, sur des serveurs, des trucs comme ça, je me suis rappelé d'un vieux truc que j'ai lu il y a 20 ans sur des mecs qui maquillaient un serveur Apache en serveur 2IS. Alors l'idée, ça va pas être de refaire la même chose parce que chiant, et puis en plus je connais vraiment pas bien 2IS et retrouver les modèles, les pages d'erreur, ce genre de choses, ce serait beaucoup trop long. Mais savoir si on arrive à mentir suffisamment sur les traces qu'on renvoie en tant que serveur web pour que Nmap soit n'arrive pas à identifier, soit se plante et nous donne la mauvaise identité. Il y a des choses sur lesquelles c'est facile, il y a des choses sur lesquelles ça pourrait être plus compliqué. Je ne sais pas si ce serait plus facile avec un Nginx ou avec un Apache. Donc ce serait quelque chose qu'on pourrait éventuellement faire, éventuellement tester pour voir jusqu'où on pourrait aller dans ce genre de maquillage. Parce qu'en gros, si on essaye de prétendre qu'on est un serveur 2IS, donc Windows, 2IS c'est le serveur web sur Windows Server, ben on pourrait induire des attaquants en erreur. Voilà. Donc, ce sera peut-être ça, ce sera peut-être autre chose, parce que bon, bah du coup, en 3 semaines, il pourra s'en passer, et soit j'aurais trouvé un sujet d'actualité, entre guillemets, soit je pourrais. Soit je reprendrai, du coup, un de mes sujets en attente. Donc, du coup. En tout cas, hop, je peux quand même, je viens quand même de me mettre en archive le monitoring, parce qu'on aura quand même finalement fait 2 épisodes là-dessus. Et c'était cool comme outil, c'était intéressant à voir. Sur ce, je vous souhaite, bah du coup, si vous êtes en vacances aussi, bonnes vacances. Si vous êtes en vacances pendant qu'on se voit pas, voilà. Et si on fait une espèce de croisée, c'est-à-dire que vous partez en vacances au moment où moi je pars en vacances, ou je reviens de vacances, bah c'est pareil, bonnes vacances quand même, malgré tout. Bon courage pour ceux qui n'ont pas, alors soit qui n'ont pas la chance, la possibilité, ou juste qui n'ont pas envie de prendre des vacances en été, comme moi j'ai normalement l'habitude de faire. Hein, voilà. Et donc on se retrouve plus tard sur les internets. Allez, ciao ciao!